ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les socas à Manon. Coucou à tous, on est vendredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul du vendredi. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas posté. Mais lundi a ouvert dans ma ville, quasiment dans ma ville, un Kiko. Donc je n'ai pas pu faire autrement que d'y aller. Je voulais y aller cet après-midi parce que Soleil 715 Makeup y travaille et je voulais la voir. Mais finalement, je n'ai pas pu y aller parce que j'ai dû y aller ce matin parce que cet après-midi j'étais prise. Donc voilà, donc je suis passée dans ce hall. On aura donc du Kiko, on aura également la halle parce que je voulais un petit sac. D'ailleurs, je vais commencer par la halle. Je vais vous montrer tout de suite mon petit sac. J'ai flashé sur plusieurs sacs à la halle et finalement j'ai pris celui-ci. Hop. Hop. Donc, vous voyez, il est comme ceci. Donc c'est un sac vert foncé. J'en voulais un soit vert foncé, soit bordeaux, parce que j'en avais envie. Donc là, le vert foncé, il m'a plu énormément. Au niveau, il a des petits clous bronze qui sont très cuivre qui sont très jolis. Voilà. Au niveau de l'intérieur, il a une grande pochette très pratique pour mettre des choses. Et sinon, il n'a pas de pochette particulière. Il a juste un petit attache pour mettre une clé ou quelque chose comme ça. De chaque côté d'ailleurs, donc c'est plutôt sympa. Alors, est-ce qu'il n'y a pas normalement pour mettre une anse? Je ne sais pas, en tout cas moi j'ai pas de anse dedans. C'est vrai que ça fait penser aux petites attaches pour mettre une anse. Enfin bon, c'est pas grave. Il est très joli. Alors j'ai demandé à la dame pourquoi il y avait ces petites étiquettes là. Et elle m'a dit qu'il préparait déjà les soldes de janvier. Donc je lui ai dit, vous ne serez pas en retard. Ça permet, comme je lui dis, ça permet de voir un petit peu à l'avance. Et ce sac, je l'ai payé 30 euros. Voilà. Donc j'ai vraiment trouvé joli. Il me plaisait beaucoup. Donc je l'ai pris. Il y en avait un autre dans les tons bordeaux, un peu un vernis bordeaux qui me plaisait énormément, qui était à 22 euros je crois. Si je trouve la photo sur le site de l'âge, je vous le mettrai tout de suite là après. Mais en tout cas, j'ai choisi le vert parce que c'est vraiment celui qui me plaisait le plus. Et le bordeaux, je trouve qu'il n'est pas forcément évident à associer à tout. Un bordeaux comme ça, ça fait vraiment d'Adam. Je l'aime beaucoup, donc peut-être que je l'achèterai, mais je vais voir un petit peu. Donc voilà, voilà. Et sinon, elle m'a donné un bon d'achat de 10 euros à valoir sur la halle aux chaussures. 10 euros des 50 euros d'achat. Et c'est valable jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, je verrai bien. Ensuite, passons au vif du sujet. Enfin bref, donc j'ai craqué sur... Alors les petits vernis, les Quick Dry, vous savez la nouvelle collection qui était sortie cet été je crois, ils sont en promo actuellement à 0,50 au lieu de 4,90. Donc j'ai pris un top coat Quick Dry, tout simplement. C'est toujours pratique d'avoir un top coat, ça c'est le numéro 800. Voilà, voilà, donc un top coat c'est toujours utile, donc pour 2,50€ je l'ai pris. Ensuite, on va continuer dans les vernis, ce sera plus simple. J'ai pris un vernis de la gamme Digital. Alors j'ai beaucoup hésité parce qu'il y en avait plusieurs qui me faisaient de l'œil, mais je ne voulais pas trop abuser. Les vernis de la gamme Digital sont à 4,90€ et j'ai choisi celui-ci. Donc c'est un vert, il ne reflète pas du tout ce qu'il est en vidéo. Je vous le dis tout de suite, il est beaucoup plus vert que ça. Tout va bien, j'ai rattrapé. Et c'est le 441. Voilà, donc j'ai trouvé vraiment très joli, plein de paillettes. C'est les vernis Kiko, hein, un pinceau assez large. Voilà, et il est plein de paillettes vertes qui est vraiment très très joli. Donc voilà. Ensuite, je me suis repris un petit paquet de 10 lingettes démaquillantes. Moi, je mets ça dans mon sac à main, je trouve ça vraiment très sympa et très pratique. Ça vaut, tout que je vous dise pas de bêtises, ça vaut 2,56€. Donc c'est un lip base, j'en avais pas et j'en avais envie, donc j'ai craqué. Donc c'est le lip base primer, et ça se présente comme ceci. C'est un 10 ml et ça vaut 5,90€. Donc c'est tout simple, hein, c'est une petite pâte comme ça, voilà. Vous l'étalez sur les lèvres et ça fait normalement tenir un peu plus... C'est marqué base à l'aise, neutralise le ton des lèvres et exalte la couleur du rouge à lèvres. Donc voilà. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. J'avais envie d'essayer ça depuis un petit moment. Donc voilà.
Ensuite, j'avais envie d'un mascara, je sais pas pourquoi, qui fasse un regard, voilà, vachement, qui volume vachement les cils. En ce moment, je suis fâchée avec les mascaras. Donc, j'ai choisi celui-ci, donc c'est le Luxurious Lash. Donc, ils disent que sa mascara est fait cils remodelés. Donc, il est doré, il se présente comme ça. Voilà. Et au niveau de la broche, je vous montre, c'est une énorme brosse. Donc, je vous en dirai des nouvelles, si j'ai aimé ou pas. Et celui-là, je l'ai payé 7,20€. Donc, voilà. Ensuite, je me suis repris 3 long lasting eyeshadow. Donc, le tout premier, j'ai pris le numéro 07. Voilà. Vous savez, mon amour pour les long lasting. Donc, le 07, c'est un beige, un poil... Non, un beige, tout simplement. Voilà. Non, c'est 07. Il est comme ça. Sinon, il est comme ceci. Voilà, je vais vous faire un petit swatch. Pour mettre en muqueuse, pour éclaircir un peu l'œil, je trouve que ça peut être très sympa. Voilà, elle est là. Très jolie couleur que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris le numéro 10. Voilà. Donc, les long lasting, ils valent 6,90€. Donc, le numéro 10, comme vous pouvez le voir, est un vert. Alors, j'ai déjà un vert, mais c'est un vert clair de la collection de cet été qui est en édition limitée. Là, c'est un vert qui est plus soutenu. Alors, je ne vais pas m'en mettre des grosses couches parce que je sais qu'on a du mal à l'enlever. Donc, il est ici. Voilà. Et le dernier que j'ai pris, c'est le numéro 17. Alors, j'ai flashé totalement sur celui-là. Je trouve qu'il a une couleur, mais à tomber par terre. Donc le numéro 17, et je sais pas si vous allez bien voir, c'est un bleu marine, si vous voyez, et il est juste à tomber quoi. Hop. Voilà, il est bleu marine et il y a un peu des reflets violets limite noir que je trouve superbe. Donc voilà, voilou, et puis après j'ai craqué sur ça. Et oui, c'est les iClick. J'ai pris en 9 trous, donc les palettes vides à ombre à paupières, hein, je vais vous le dire en français. Donc ça se présente comme ceci. Hop, je vais y arriver. Et quand on ouvre, vous avez 9 trous. Voilà. Et bien sûr, hein, pour aller dedans, j'ai pris... Alors j'ai voulu une palette un peu dans les tons vert, neutre et un peu bleu très foncé, volontairement. Donc la première ligne, je l'ai voulu verte. Donc le premier que j'ai pris, c'est le 264 Infinity. Voilà. Donc il se présente... Donc ça se présente comme ça, hein. Vous les avez comme ça. Dans un petit pochon comme ça. Voilà, donc vous avez la petite protection. Et quand vous l'enlevez, vous avez le fard. Donc le fard se présente comme ceci. Voilà, très joli. C'est un vert avec des paillettes un petit peu dorées que je trouve très très joli. Voilà. Je vais vous le mettre. Voilà, très sympa. Le deuxième, c'est le 267, toujours de la collection Infinity. Donc celui-ci, c'est ceci. Donc c'est un vert beaucoup plus foncé. Qui se présente comme ceci. Donc
voilà, il est là, à côté. Et le dernier, c'est le 290. Voilà. Et il se présente. Ça, c'est un kaki marron, on va dire. Voilà, avec des petites paillettes également. Voilà. Donc voilà pour les trois dans les tons verts. Vert kaki foncé, voilà. Je les mets dans la palette en allant, donc je vous les montrerai après. Après, on arrive sur la ligne qui est un peu bleu-violet, enfin bleu très foncé, violet. Donc le premier que j'ai pris, c'est le 282. Je vais arriver à l'ouvrir. Donc il est comme ceci. Voilà, donc c'est un bleu marine avec des petites paillettes argentées. Voilà. Un peu violacé. Voilà. Le deuxième de cette ligne, c'est le 283. Donc il se présente comme ça. Donc ça, c'est un vrai bleu marine, hein. Il est totalement mat. Et le dernier de cette ligne, c'est le 293. Et celui-ci, c'est un gris tirant un peu sur le bleu avec plein de paillettes. Plein de paillettes argent. Voilà, je sais pas si vous allez voir les paillettes. Pas vraiment. Il est vraiment très joli. Ici, là, vous voyez les paillettes. Là, vous les voyez un peu mieux. Voilà. Ensuite, la dernière ligne est plus dans les tons neutres. Donc, le premier que j'ai pris, c'est le 271, toujours de la collection Infinity. Donc c'est un, je dirais un style kaki, mais très clair. Voilà. Il est là juste en bas. Je vais vous les montrer plus près une fois que j'aurai mis les trois. Le deuxième, c'est un de la collection Infinity Plus. Donc, c'est ceux avec des paillettes. C'est le 402. Il a un coup dedans. Voilà. Donc, ça, c'est un taupe foncé tirant limite bronze, en fait. Non, limite cuivré. Voilà, limite cuivré. Hop là, faire des miracles. Donc il est ici. Alors contre toute attente, ceux-là, on ne les voit quasiment pas.
Pourtant, ils sont plus chers. Les Infinity basiques sont à 4,90 et les Infinity Plus. Est-ce que je vais le trouver sur mon ticket? C'est combien celui-là? 402. 402. Ah là là. Il me semble. Oui, 6,90. Et donc le dernier, c'est le 234 en Infinity basique. Et c'est un limite Bordeaux. Là, vous voyez bien la couleur. Voilà. C'est un très très joli Bordeaux. Donc il est ici. Donc voilà, je vais me rapprocher pour vous les montrer tous mieux. Donc la première ligne et la dernière ligne. Voilà ce que ça peut donner. Et dans la palette, puisque je les ai mis dans la palette, je vais vous le montrer. Ça donne ceci. Donc voilà, une petite palette de couleurs un peu neutres, facile à porter tous les jours, c'est ce que je voulais. Voilà, des couleurs faciles à porter, tout simplement. Donc voilà, voilou, bah je suis super contente de mon petit achat. J'espère que ça vous aura donné envie. En tout cas, franchement, ce système est vraiment génial. Je trouve qu'on peut les avoir tous sous la main et ça évite d'avoir 36 000 petits pots. Je trouve ça vraiment très sympa. Je ne suis pas une fanade du dépotage, donc je vais pas dépoter ceux que j'ai parce que voilà, je trouve ça un peu débile. Enfin, un peu chiant à faire, on va dire. Donc voilà, voilou, j'ai pas pris de rouge à lèvres, pourtant j'avais envie de certaines choses. La collection, il y avait d'autres choses aussi qui me plaisaient, mais il faut savoir se freiner un moment. Voilà, donc en tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous, j'espère que ce petit haul vous aura plu, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé.